Bonjour les enfants, aujourd'hui c'est la dernière journée d'école de la semaine. On commence bien sûr par les rituels. Observe bien ici la date du jour et à toi de la retrouver en lettres scriptes dans le tableau. Tu peux faire pause sur la vidéo. Aujourd'hui, on regarde la première lettre J. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Ici, je vais chercher le mot jeudi en lettres cursives. Il est là. Nous sommes jeudi combien? La table s'écrit avec un 2 et un 7. C'est la famille des 20. 27. On cherche ici le 27. 27 de quel mois? Eh bien, nous sommes toujours au mois de mai qui s'écrit MAI. Ici, on va rechercher le mot mai en lettres cursives. Et on peut donc résumer la date d'aujourd'hui. Nous sommes jeudi 27 mai. À toi maintenant de rechercher la date d'hier, le jour d'avant. Le jour d'avant, le jeudi, c'était le mercredi. Et le jour d'avant, le 27, c'était le 26. Toujours au mois de mai. On peut donc dire la date d'hier. Hier, nous étions mercredi 26 mai. On fait de même avec la date de demain, le jour d'après. Après le jeudi, c'est le vendredi. Et après le 27, ce sera le 28, toujours au mois de mai. On peut donc dire demain, nous serons vendredi 28 mai. Ici, on recherche la date du jour. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 27 mai, janvier, février, mars, avril, mai. Et sur le calendrier du mois de mai, tous ces jours-là sont finis. On avance jusqu'ici. Aujourd'hui, le dernier jour d'école de la semaine. Parce que regarde bien, demain, c'est le week-end. Et là, on voit bien que nous sommes le 27 mai. Et sur le calendrier de mai, pardon, on va pouvoir colorier ou mettre une gommette sur le 26 parce qu'il est terminé et on va pouvoir entourer aujourd'hui la date du 27 mai. Et maintenant regarde bien le modèle pour écrire la date du jour et après ce sera à toi de l'écrire sur ton ardoise. Aujourd'hui nous sommes jeudi, on commence avec la lettre J. Je monte jusqu'à la petite ligne et je descends tout droit. Je fais une grande boucle qui descend. Je remonte. Je viens faire le point au-dessus. Ensuite, j'accroche le E, la petite boucle du E. Et il faut après accrocher la lettre U pour faire la syllabe je. Ensuite, le D, je vais plus loin. Je commence mon dé, je monte, je tourne, c'est toujours une lettre qui tourne, je descends, je tourne et je remonte pour faire la moyenne 4. Et ensuite j'accroche le petit i, je monte, je descends, je viens faire le point. Voilà pour l'écriture du mot jeudi. Maintenant 27 qui s'écrit avec un 2. Et petite ligne horizontale. Et le 7, je commence en haut, le trait horizontal, un grand trait oblique. Et je reviens ici faire un petit trait horizontal. Et je termine avec le mot mai qui s'écrit MAI. Le petit M de mai, les trois ponts, 1, 2, 3. Je vais plus loin pour commencer le A. Je monte, je tourne, je descends, je tourne. Et la canne à l'envers. Et ensuite, j'accroche le I. Je monte et je descends. Je viens faire le point.
Voilà pour le modèle de l'écriture de la date du jour, le jeudi 27 mai. Voici la comptine numérique. Tu dois la réciter sans dire les nombres qui sont cachés. Je le fais, tu peux le faire avant moi ou en même temps que moi. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 45 et 47. Et maintenant, observe bien les lettres qui sont écrites en script. Tu dois les écrire en cursive sur ton ardoise. On va donner le nom des lettres. On a la lettre M, O, I, N et L. À toi de les écrire en lettres cursives sur ton ardoise et on vérifie ensemble. Tu peux faire pause sur la vidéo. On commence avec la lettre M en lettres cursives, les trois petits ponts. 1, 2 et 3 et la petite accroche. Ensuite, on a le O, c'est une lettre qui tourne. Je monte, je descends tout en tournant et je remonte pour faire une petite casquette. Ensuite, c'est la lettre I, une petite lettre en pointe. Je monte, je redescends dessus et je viens faire le petit point au-dessus. Ensuite, on a la lettre N, les deux ponts, 1 et 2. Et enfin, voici la lettre L, c'est une grande boucle. Je commence en bas, je monte. Je tourne et je redescends pour faire ma jolie boucle. Et voilà les lettres cursives. Et termine par écrire ton prénom en lettres cursives sur ton ardoise. Essaie de le faire sans le modèle. Prends le modèle si tu as peur de te tromper ou si tu veux vérifier. Et je te souhaite à toi et à toute ta famille une belle journée.